Peut-être que tu dois commencer par une version plus simple. Alors, on l'a fini tout à l'heure, Dragon Slayer. Hein. Je l'ai fini tout à l'heure. Hein. C'est pas une run en mode je suis pas sûr de moi. Hein. C'est je sais que je peux le faire. Hein. J'ai les capacités de le faire, hein, sans souci quoi. Le truc c'est qu'en fait on mélange à la fois le fait de speedrun et à la fois le fait de jouer un jeu hyper dur. Ce qui fait que Chaton l'air ou Panda Mansion. Je connais... Chaton l'air, c'est quoi Chaton l'air? Ah mais d'accord, ok, c'est la blague, d'accord, ok. Ce serait rigolo de faire un jeu qui s'appelle Chaton l'air. Là c'est intéressant ce qui se passe parce que je vais aller chercher le... Je vais faire un petit détour juste pour aller choper ça. En fait, parce que je pense que... Ah mais il me l'a tué. Ah bah bien, 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 bien. J'ai bien cru que je me la prenais. Hein. Ça m'aurait... Ça... Je vous le dis, ça m'aurait absolument énervé. Oh, c'est pas mal. Hein. J'ai pas compris la blague du temps. Hein. Après, le boss final, le dragon, justement, est pas si dur. Hein. Vous allez le voir tout à l'heure, il est pas si dur. Hein. Enfin, en fait, quand tu lis les tutos sur internet, il t'explique que c'est simplement un des boss les plus chauds jamais inventés. Ce qui, en réalité, est vrai. Sauf si tu tricks un peu pour le battre, quoi. Et on va trickser pour le battre. Je vais pas le faire à la... Je vais pas me le faire à la loyale, hein, je vous rassure. Hein. Alors, on peut pas appeler ça un glitch, ce que je vais faire, mais on va tricker un peu, quoi. On va tricker un peu. Allez. Pas mal, j'ai pas mal de vie. Je vais me prendre un caillou à la con, mais... je le sens venir. Je sais pas pourquoi je le sens, tu vois, ce caillou à la con, là. Yes. Ah non, c'est bon. C'est bon. Je suis bon au niveau de mes... Allez, hop. Oh là ! Oh là ! Ah, je tire plus vite que Lucky Luke qui lance pas du tout de hache dans la vie, quoi. Mais... Si Lucky Luke lançait des haches, je vous assure, il se rend sûr, là. Hop là ! J'ai dit hop là. Yes, ça passe bien là, ça passe bien là. Ça passe très 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 bien là. Faut pas de choc mais ça passe bien. Je vais prendre ça là. D'habitude je le prends pas mais là je le prends parce que j'ai pas trop de... J'ai usé pas mal de ma loupiote. J'ai failli louper hein, je suis pas terrible là dans ce que je fais. On va pas se mentir, je suis pas terrible terrible. Yes. Deuxième boss. Hein? On a rien dit, mais... Ah! Ah! C'est pas grave, c'est pas grave. J'allais me suicider au début du 3e niveau pour récupérer de la vie. Non, mais bande de pute! Ça! Ça, c'est pute! Après toi, est-ce qu'il veut magique une ratée? Ah bah... Quand tu commences à savoir esquiver sur ce jeu, je t'avoue que c'est que t'as atteint le point de rupture, je pense. Vraiment. En vrai, je vois vraiment ça comme ça. Si t'as atteint le stade où t'arrives à esquiver des trucs, genre tu fais hop hop, tac tac, tu vois. C'est vraiment que t'as atteint le point où t'en as trop fait du jeu, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue, hein.
C'est vraiment le stade où bah il faut, voilà, c'est que tu connais trop le jeu et c'est pas bien. Je pense que je suis bien là. Ah putain, merde. Pardon. Surtout qu'en fait ça me fait recommencer depuis le début, ça qui me saoule. Et là je suis juste avant le checkpoint en fait. Donc en fait quand tu meurs juste avant le checkpoint, ça fait vraiment très chier. Et c'est les règles. On va tenir. J'ai checkpoint et je peux avancer un peu plus, j'ai pas mal de vie, ça va. Du coup c'est pas très grave. Yes. Putain, first try. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis arrêté? Je suis un idiot. J'ai pas d'autres mots, je suis un idiot, j'aurais pas dû m'arrêter. Je crois que je l'ai pas. Ou justice. Ouais, fallait pas s'arrêter ici. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Je le sais, en plus je le sais, hein. C'est ça qui est terrible. C'est que je le sais très bien. Je sais pas, je... Un petit tilt en vrai. Bah, j'ai pas trop d'autres mots, je suis désolé de ça. Un. Yes. Deux. 5. Yes. Faut juste passer celui-là. Oh! Punaise. Ah! J'ai failli le prendre. Ça, quand tu le prends, ça c'est vraiment la déception parce que c'est vraiment salaud ça. C'est juste fait là pour te. Faut juste que je me mette dans le rythme au début. Hein. Je perds en vitesse de réflexe, je sais pas, j'ai fait beaucoup de run et je perds en vitesse, je pense. Je trouve. Mes réflexes sont plus lents. Thank you.
Il est pas passé loin lui hein. Pareil. Je suis désolé si je parle pas beaucoup, hein, c'est... Je suis un peu en stress, là. Boss final. Oh oui. Et time 11 minutes 49, le speedrun de Dragon Slayer sur NES. J'espère que ceux qui verront ça sur YouTube, ça vous plaira. Ce fut hard, ce fut tendu, ce fut délicat, ce fut désagréable. Et je pense qu'un tuto viendra sur justement comment réussir ce speedrun sur toutes les étapes.